Salut à tous, c'est Fulito. On se retrouve aujourd'hui pour ce 16ème épisode de notre aventure sur Pokémon version Cristal. Et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis tout content. Je me suis remis de notre petit chaos de la dernière fois, puisque rappelez-vous, la dernière fois nous avons été au lac Colère. Donc on a essayé de capturer le Léviator rouge. Et malheureusement, on a pris notre premier chaos. Mais tant pis, c'est pas grave, je m'en suis remis. Alors j'ai entraîné mes Pokémon, comme vous pouvez le voir. J'ai augmenté Typhlosion, Evoli et le Léviator rouge qu'on a capturé. On a quand même réussi à le capturer après, je sais pas, peut-être 5-10 minutes, je sais plus. Enfin, bref, on a quand même réussi à le capturer. Et donc je les ai entraînés jusqu'au niveau 40. Et il a pris une nouvelle attaque. Alors déjà, je lui ai appris Surf, et ensuite il a appris Ouragan, que j'ai remplacé à la place de Dracorage, et ensuite il a appris Hydrocanon, alors que j'ai remplacé à la place de Gros Yeux, je sais plus c'était quelle attaque. Et ensuite j'ai entraîné Noirfang et Marez jusqu'au niveau 32. Voilà, bon, je les ai pas entraînés jusqu'au niveau 40 parce que, bon, c'est pas les Pokémon de mon équipe finale. Donc voilà. 32, ça me semble assez correct. Et donc, souvenez-vous, après avoir capturé le Léviator rouge, on est revenu sur la terre ferme et on a rencontré un type qui s'appelait Peter. Enfin, il s'appelle toujours Peter, hein. Pourquoi il s'appelait, enfin il s'appelle Peter, voilà. Et on sait pas grand chose sur lui, il a l'air assez mystérieux, et il nous a demandé si on pouvait l'aider, car il y a des ondes qui seraient la cause de l'enragement des Magikarp et donc des Léviators au lac Colère. Et donc d'après lui, ça viendrait de cette ville, donc d'Akajou, et donc il nous a demandé si on pouvait l'aider, donc on doit le rejoindre ici. Et bon, on a accepté, en même temps on n'avait pas trop le choix, on pouvait pas trop refuser. Et donc vous vous demandez, mais où est-ce qu'il est, parce que là on le voit pas. Et bien je vais vous le dire où il est dans cette maison. Voilà, Dracolosse ultra laser. Tu en as mis du temps, Fulito. Comme je le pensais, cet étrange signal radio vient d'ici. Ça commence déjà très très fort. Les escaliers sont par ici. Fulito, nous ferions mieux de nous séparer. Je passe en premier. Ok, alors déjà je vais leur parler à eux. Tu as trouvé l'escalier secret. Bon, c'est Peter, hein, c'est pas moi. Et toi? Les Pokémon dragons de ce type sont super forts. Et oui, donc apparemment il a des Pokémon dragons. Donc il a déjà un Dracolos. Alors si vous connaissez les jeux Pokémon, vous savez qui c'est. Si vous connaissez pas, eh bien vous savez pas qui c'est. Voilà. Est-ce que je mettrai Evoli? Je mettrai Evoli en premier. Alors comment ça marche déjà ça? Hey, alerte! Ok. Bon. Alors, tu as quoi toi? Ouais, un soporifique. Bon. Bien soporifique. Que de faire? Bim! Dans ta face. Un Nosferapti. Ok. Pas encore que de faire. Pour une fois que ça marche bien. Hop. Zut, perdu. Et bien oui. Encore un autre. Mon tour, yaha. Oulala, ça va être chiant.
Ok. Allez, Evoli. Alors, attendez. Hop, petit programme qui se lance. Ce n'est rien. On reprend. Vive attaque. Un tas de morve. On va rester sur Evoli pour l'instant. Il gère très très bien. Bon, en même temps, on a beaucoup plus de niveaux qu'eux. On est 23 niveaux au-dessus d'eux. C'est normal, c'est normal. Prends-toi ça dans la face. Hop. Oh voilà, voilà. Pour l'instant, je me suis. C'est vrai que je me suis pas mal entraîné. Mais bon, après. Après, ça va se resserrer. De toute façon, à la ligue, ça va être quand même tendu. Mais normalement, enfin, normalement, on serait pas trop haut level. Mais comment dire, sans spoil le jeu, pour ceux qui connaissent pas, alors, des caméras se trouvent dans les statues. Ok, on viendra tant que tu n'actionnes pas les interrupteurs secrets. Ah, ça va être chiant. Donc je disais, je sais plus ce que je disais. Y a quoi là? Oui, je disais. Normalement, on devrait être au même niveau que les comment ils s'appellent les champions, mais vu qu'après la fin, il y a quand même un truc. Voilà pourquoi je trouve que il y a moins de comment dire, il y a moins de challenge. Voilà, les champions sont moins haut level. Alors, j'ai pas lu ce qu'il a dit, tant pis, c'est pas grave. Il disait quand même que des conneries. Ah, parce, voilà, parce que enfin, dans les autres jeux Pokémon, ah, ça marche pas ça. Dans les autres jeux Pokémon, normalement, là on est au quoi, on a 6 badges, ouais, au 6ème badge, les champions ils sont quand même dans les niveaux 30-40. Et là, ils sont que dans les niveaux à peine 30. Donc, parce que bon, il y a un truc à plaire le jeu. Mais je vous dis pas c'est quoi si vous connaissez pas. Alors, c'est peut-être sûrement à cause de ça que les champions sont moins forts. Vu qu'il y a une longévité en plus. Ça se dit ça? Bon, je sais pas. Et là, il est en train de nous faire mal. Ok, bon, on va changer un petit peu. On va envoyer notre pas notre Léviator. On va l'envoyer après Léviator. Un coup de feu. Vas-y mon petit pote. Dans ma face. C'est ce que j'allais dire, dans ta face. Alors là. Une défense P, ok. Là, y a rien. Un interrupteur, on appuie. Ok. Ouais, donc ça, c'est pour supprimer les combats. Bon, on va les supprimer parce que sinon, je sens que ça va être assez chiant si à chaque fois qu'on passe, y a des combats. Enfin, quoique ça pourrait être bien pour l'expérience. Mais bon. Mais bon, voilà quoi. On va récupérer ça. Non mais. Zut. Zut, 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 zut. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter? Ah bah non, mais j'ai un super bonbon à utiliser, attendez.
Ah, ça vaut pas trop le coup. Tout. On va l'utiliser sur Typhlosion. Voilà. Hop. C'est mon starter, alors je te montre niveau 41. Et on a une pépite. Hop. Et moi, j'ai oublié d'enclencher mon chrono. Mais il n'y avait pas un truc en haut. Je vais retourner en haut, moi, vite fait. Je peux pas. Non, ça marche pas. J'ai oublié d'enclencher mon chrono. D'enclencher mon chrono. Je vais y arriver. Du coup, je sais même pas combien de minutes j'en suis. Oh, peut-être 10. Je crois 10, 12. Un truc dans le genre. Ah, tant pis, c'est pas bien grave. Ça sera un épisode surprise. On sait pas combien de minutes il fera. Alors, on se croit chez soi? Allez, avance pour voir. Il y a des pièges partout. Ok. Ah, ratata. Hop. J'aurais peut-être dû soigner mon Evoli. T'as pas des Pokémon un peu plus intéressants qui donnent plus d'XP parce que là. C'est un peu ridicule ce que tu nous donnes. Des ratata, non mais. Non mais sérieux quoi. On va garder toujours Evoli. Je compte toujours le faire évoluer en Mentali le plus rapidement possible. Donc, on va le garder pour le moment. Kaboom. Ok, Kaboom. Si tu veux, Kaboom. Ok. Bon, il y a des Pokémon qui apparaissent. Et j'ai toujours pas sonné mon Evoli. Ah bah là c'est déjà un peu mieux en termes de niveau. Je attaque. Même si on les tue en un coup, mais c'est déjà un peu mieux. Un racaillou. Ok. Bon, racaillou. Prends-toi ça dans ta face de caillou. Tiens, prends-toi ça. Adieu. On va quand même balancer un petit soin. Alors j'ai quand même acheté des. Ouh. J'ai racheté des potions et tout le tralala. J'ai un petit peu arrangé mon sac, c'était un peu le bordel, et j'ai vendu les potions pour prendre des super potions en plus. De toute façon, maintenant les potions ça ne sert plus à rien. On a les super et les hyper. Bon, là on va se prendre une armée de Pokémon. Tant pis. Oh, je pourrais faire un pouce. Enfin, je sais même pas si les repousses en fait ça marche. Pourquoi je fais ça? Ça marche. Ah? Ah bah si, ça marche. Je croyais que ça marchait pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Comme quoi, je ne suis pas un expert dans Pokémon. Hop. Encore utiliser ballon. J'aime bien cette attaque.
Ok, la feinte. Alors là, il y a un escalier et il y a une marque au sol. Ok, mais je prends quoi moi du coup? Bim. Je suis quand même content de mon petit évolu là, il est quand même bien fort. Ah! Je voulais passer de l'autre côté. Bon, un Smogo. Eh bien, Smogo, tu seras mon dernier ennemi de cet étage. Bim! Oh, zut. C'est quoi cette marque au sol? C'est pour aller où? Bon, on va déjà aller voir là. Là, il y a Peter. Mais là, je vais quand même tester. C'est quoi? Ah, ça nous renvoie au début. Oh. Bon, eh bien, on va tout refaire. Le chemin. Tralali, tralala, c'est pas par là. Ah. J'aime pas galérer comme ça. Hop 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 hop. Tu fais quoi? Peter. Tu vas bien? Ouais. Tes Pokémon sont très fatigués. Tiens, soigne-les avec mon médicament. Foulito. Ensemble pour les Pokémon. Ok, en fait, tout à l'heure, j'ai balancé un soin pour rien. Si j'avais su. Espèce de sale peste. Non mais il me traite. Mimitos. Mimitos, je vais te dire au revoir. Alors on passe niveau 41, c'est cool, c'est très cool. Oh, bon allez, on peut quand même lancer notre petit Léviator. Un petit grand Léviator. Ça c'est stylé, les Pokémon Shiny. On n'en croise pas tout le temps donc c'est stylé. Attaque Ouragan. Je croyais que ça allait faire plus mal. Oh ça va, il nous fait. Mais alors, que dalle, que dalle, que dalle. Encore Ouragan. Bim. Grrr. Ah, j'ai cru qu'il allait évoluer notre Evoli. Toujours pas. Il n'y avait pas un truc là? C'est suspect ça, non? Oh. Et là-bas, il y a un autre sbire. La porte ne s'ouvre pas. Normal, débilos. Il faut un mot de passe connu seulement de la Team Rocket. Ouais, donc la porte qu'on a croisée. Enfin, ouais, qu'on a croisée vite fait, là, il y a 2 minutes, même pas. Tiens. Oui, alors là, je spam Evoli. Mais je l'aime bien, mon petit Evoli. On pourrait spam Ligator aussi, mais bon. Quoi, perdu? On l'utilisera plus tard. Bon, bah, apparemment, faut aller là. Oh. Il faut 2 mots de passe pour entrer chez le boss. Seuls certains Rocket les connaissent. Ce Rocket m'a appris tout ça très gentiment. Foulito, allons trouver les mots de passe. Ok. Gueule, le type avec la cape
est trop balèze. Tu m'étonnes. Moi, je le connais, moi. Je travaillais pour la Sylph, mais maintenant, je suis pour la Team Rocket. Une petite peste comme toi doit être punie. C'est vous qui êtes puni de vos crimes. Même si j'adore la Team Rocket. C'est vrai, je trouve que c'est la plus... Peut-être la plus charismatique de toutes les organisations maléfiques dans Pokémon. Enfin, ça c'est mon avis. Après, ça dépend des gens. On va garder Evoli. Tiens, prends-toi ça. Ah non. Toi, tu vas dead. Petite erreur de calcul. Mais on fait pas des combats avec des calculs. Alors, est-ce que j'ai un antidote? C'est bon, j'en ai. Hop. Pou, 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 pou. Ah, j'ai ça aussi. On va utiliser ça. Hop. Ah ouais, mais je crois que ça fait perdre du bonheur en utilisant ça. Oh, tant pis. Tant pis, tant pis. Si je connais le mot de passe, peut-être. Mais je le donnerai pas. Mais si tu vas me le donner. Bon, tant pis. Tant pis, je crois que ça fait perdre du bonheur à évoluer en utilisant une herbe. Tant pis, il va en gagner en faisant des combats. De toute façon, c'est quand même bien long, donc un ou deux points de bonheur en moins. Hop. Et pour l'instant, il gère très bien. En mentally, j'espère qu'il va encore plus gérer. À mon avis, je pense que oui. Ok, arrête, je vais parler. Ok, vas-y, dis-moi tout. Le mot de passe de la salle du chef est... Que Ramolos. Je pense rajouter un peu. Mais ça te sert à rien sans l'autre mot de passe. T'inquiète. Toi, tu le donnais pas, toi? Non. Non. Un signe radio qui rend les Pokémon fous. Mon expérience. Ouais, toi, tu dis rien d'intéressant. Il y avait quoi là-bas? Ah, il y avait ça. Un total soin. Ok, ok. Et plus haut. Il y a un autre chemin. Ouais. Ça part un peu dans tous les sens. Antigel. Toi. Blesser des Pokémon pendant les expériences n'est pas un problème. Mais quel monstre! Un métamorphe. Eh bien, petit métamorphe, ravi de t'avoir connu. Mais je te dis adieu. Moi, je suis un cérébral, pas un combattant. C'est sûr, ça se voit. Ah, toi, t'as peut-être le mot de passe. Ah, je vais le troller. Gnark, gnark. Tu me lances un défi? À moi? T'es débile ou quoi? Je vais te bouffer. Gnark, gnark. Bats-moi et je te donne un des mots de passe pour la salle du chef. Ok, ok. Mais par contre, ça part un peu dans tous les sens, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il y avait à l'étage du dessus. Prends-toi ça.
Yo, tu sonnes bien. Gnark, alors toi. Oui, moi. Gnark, gnark. Le mot de passe est... c'est que Ratatak. Spécial plus... wow, de toute façon, je m'en fous de ça. Et là, c'est une protéine, alors ça, par contre, je veux... mince. Une autre chose. Bon, on va utiliser une... Ah non, il y en a... Une 1000 max sur Evoli. Oh, ballon, voilà. Tant pis, tant pis. Protéines. Ok. Et on va donner notre protéine à Evoli. Voilà. En plus, ça lui donne du bonheur. Enfin, il me semble. Enfin, je crois. On va récupérer ça quand même. Histoire de le revendre, de se faire un peu d'argent, même si on va le revendre pour que dalle. C'est quand même un peu d'argent. Là on peut pas y aller. Sinon. Ok, et au-dessus. Au-dessus, il y a. Il y a que ça, c'est. Ok, c'est un ordinateur, on peut pas. Et là-bas. Là-bas, il y a. Non mais t'es sérieux toi? Yo, t'es aveugle. Désolé, je suis. Hein? Désolé, je suis. Mais te briser, je dois. Ok. Je sais même pas combien de temps. Depuis combien de temps je tourne. C'est horrible. Tant pis, si c'est un épisode long, ben. J'ai envie de dire. Eh bien, tant pis. De toute façon, depuis le début, je dis que je vais faire un épisode court, je fais que des épisodes longs. J'ai réussi à faire 2 ou 3 épisodes courts sur 15 épisodes. Alors que si c'est un épisode long, bah tant pis. Vous êtes habitués, je pense. Encore que de faire. De toute façon, même si c'est des épisodes longs, avec la reprise des cours, il y aura. Il y aura un peu moins d'épisodes, je pense. Mais de toute façon, je crois que je vais y revenir. Je ferai peut-être une vidéo spéciale. Je sais pas encore. On verra ça. Perdu G. Oui, perdu tu as. Alors, je sais même pas si c'est le bon chemin. Je te l'avais dit que j'allais la casser la Team Rocket, non? Au fait, qui c'est le type avec la cape qui a plein de Pokémon dragon? Mes Pokémon se sont fait éclater. Ah tiens, bien fait pour toi. Mais c'est pas grave, je pourrai le battre dans pas longtemps. Ce qu'il a dit me perturbe. Il raconte que je n'aime ni ne respecte mes Pokémon. Tu le crois ça? Comme j'ai pu perdre face à un crétin pareil. Pfff. Vous me faites tous pitcher. Ok. Faut arrêter la drogue, toi. Bon, eh bien, il s'est fait éclater par Peter. Et tant mieux. Hop, là, je m'en doutais un peu. C'était 46. Qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, j'ai même pas regardé ce qu'on avait ramassé tout à l'heure. Bon, tant pis. C'était 46. Larcin. Attaque pouvant voler l'objet tenu. Bon. Ça, j'utilise jamais. Bon. Alors, est-ce que c'est le bon chemin? Je ne sais pas. La porte est fermée. Tape les mots de passe de. La porte est ouverte. Ok. Quoi? Qui es-tu? C'est le bureau de notre chef vénéré, Giovanni. Giovanni, voilà, j'ai réussi à le dire. Depuis la dissolution de la team, il y a 3 ans, il s'entraîne à fond. Mais il reviendra prendre le pouvoir, un jour, c'est sûr. C'est pourquoi nous sommes fidèles au poste. Je ne laisserai passer aucun intrus.
Ok, toi t'es même pas. T'es qu'un petit boss. T'es pas un gros boss. T'es nul alors. Alors. Moi je préfère Giovanni. Giovanni qu'on voit dans les premières générations. Ah t'es sérieux, petit Evoli. En plus tu te fais malmener par ce petit Nosferapsi. Hop, un ratatac. Bien, ratatac, je te dis adios. Voilà. Oh, bientôt niveau 42. Ça va être cool. Voilà, Evoli le viole littéralement. Tant mieux. Et niveau 42. Hop, il tente d'apprendre Bélier. Bélier. Ah! Je sais pas. Bélier. Non, bah non, on va pas. Non, car après, quand il sera un mentali, il aura d'autres attaques. Comment Trobalès? Giovanni, pitié, pardonne-moi. Je dois m'en remettre et je dois vite prévenir les autres. Ok, t'es un peu ridicule, toi. On va remettre Typhlosion. Ou encore, on va mettre Léviator. On va mettre Léviator pour changer. Et toi? Le mot de passe est Vive Giovanni. Ok, donc ça doit être pour la première salle du premier étage. Enfin du deuxième, enfin je sais quel étage, tant pis, c'est pas grave. Pour un étage, voilà. Un Corneb qui parle, ok. On doit faire tout le chemin. C'était où? Je ne sais plus. C'était là. Non, c'était pas là. Non, mince alors. Ah non, c'était encore au-dessus. Voilà. Hop. Hop, on bouge plus. On peut pas te laisser fuiner par ici. C'est contre la politique de la Team Rocket. Même si t'es super méga balèze, tu ne pourras jamais gagner contre nous deux en même temps. Désolé ma puce, c'est l'heure de prendre ta baffe. What the fuck? Hey, moi aussi je veux m'amuser. Tes persos. Quoi? Tu avais un complice et ton sens de l'honneur, il est où, hein? Avec le remplaçant du boss Giovanni, je vais te montrer qu'il faut pas venir se frotter à la Team Rocket. Ok. Ok. Bon, écoutez, madame. Ah, un Arbok. Écoutez, madame. Je vais vous tuer. Mais non, je rigole, je vais juste vous exploser la face avec mon Léviator. Bon, alors là, je sais, c'est un peu stupide, je fais mania. Je risque d'être confus, mais c'est pas grave, j'aime le risque. De toute façon, après, je pourrais changer, mais bon. Ouh, là, il est stylé, le Cornèbre. C'est un Pokémon stylé, lui aussi, j'aurais bien aimé le prendre en type vol. Puisqu'il est vol ténèbres.
Mais j'hésitais entre lui et Armure. Et puis, vu que j'avais déjà un type ténèbres, à savoir. À savoir. Comment il s'appelle? Farfuré. Ça aurait fait deux types ténèbres. Bon, ça m'aurait pas trop dérangé, mais bon, c'est pas très varié. C'est vrai que moi j'aime bien les types ténèbres. Ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pris un Démolosse, j'aurais pris un Farfuré, un Cornèbre. Que des types ténèbres. Mais bon, ça faisait pas très varié pour un let's play. Hop, on va quand même réussir à l'avoir lui. Tiens, prends-toi Surf. Fouf, c'est vrai que t'es balèze, ça craint. Si tu venais à la Team Rocket, tu deviendrais vite Kaïd. Je sais, je pourrais même être le boss. Cette cachette est fichue. Mais c'est pas grave. L'opération Radio est une réussite totale. On se fiche de cette cachette maintenant. On a d'autres plans. Tu vas vite comprendre la puissance de la Team Rocket. Amuse-toi tant qu'il est temps. Hihihihi. Et ok. Terminé. On a battu tous les gars de la roquette du coin. Mais je m'inquiète à propos du jeune garçon que j'ai combattu. Mouais, Gold. Pardon, Fulito. J'étais en train de t'admirer en silence. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'arrêter le signal radio. Cette machine est la cause du problème. Je ne vois pas d'interrupteur. Il n'y a pas le choix. Il faut mettre KO tous les électrodes. Cela devrait arrêter cette machine et du même coup le signal. Ce n'est pas la faute des Pokémon, ça me met donc un peu mal à l'aise. Fulito, on fait chacun un côté. Ok. Alors je vais changer de Pokémon. Je vais prendre. Non. Non. Je vais prendre. Léviator, voilà. Ah oui, Léviator, petit flou, je dis n'importe quoi. Ah bon, alors là, ça doit faire un peu plus de 40 minutes qu'on. Enfin, je crois. Un peu plus de 40 minutes qu'on tourne. Bien tant pis. Là, pour le coup, ça fera un épisode vraiment bien long. Mais la prochaine fois, on fera un épisode plus court. Enfin, j'espère faire un épisode plus court. Toi, t'es fichu. Voilà, t'es mort, t'es KO. Et le dernier. Ouais, le dernier. Pauvre petite électrode, mais bon. On n'a pas vraiment le choix. En plus, quand il nous voit, il a l'air tout content. Tant pis, tant pis. Hop. Cet étrange signal s'est enfin arrêté. Le lac doit être normal à nouveau. Tu es formidable, je te remercie au nom de tous les Pokémon. Au fait, voilà pour toi. Je l'ai trouvé ici, mais moi, j'en ai pas besoin. CS numéro 6. C'est Siphon. Donne-le à un Pokémon pour traverser les rapides. Mais souviens-toi de ceci. Tu ne peux pas l'utiliser sur la carte qu'en ayant
Le badge de la reine d'Akajou. Ok. Fulito. Devenir le meilleur dresseur Pokémon prend du temps et est très difficile. Vas-tu tenir le coup? Je vois, tu as raison. Abandonner maintenant serait stupide. Tu ne dois pas oublier ton rêve. Je suis impatient de te revoir. Ok. Bon. Et du coup, on va se barrer d'ici. Non, c'est par là. Bon, bah là, on a eu Siphon. Donc, c'est pour passer les tourbillons qu'on a vus au tourbill. Mais on n'ira pas tout de suite. Et oui, donc la reine est débloquée maintenant. Mais on n'ira pas dans cet épisode, sinon je ferai un épisode au moins d'une heure. Ça serait un peu long pour le coup. Durer de là 40 minutes, c'est déjà bien long. Donc on va s'arrêter ici. Voilà. Ça aura fait un bon petit épisode, mine de rien. On aura aidé notre ami Peter, qu'on reverra peut-être un jour, je ne sais pas. Vous verrez. Hop, on va remettre juste évoluer comme ça, voilà. Hop. Et donc on va se laisser ici. J'espère que l'épisode vous a plu, comme d'habitude. Bon, laissez un pouce vert, bien évidemment, si vous a plu. La même phrase que d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 17. Donc on ira se faire la reine. Enfin. Et après on verra ce qu'il y a à faire. Je ne sais plus ce qu'il y a à faire. Bon, on verra bien. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.